Bonjour. Dans ce tutoriel, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un filtre de message, c'est-à-dire un filtre qui, à une certaine condition, permet d'exécuter une action. Ici, nous allons trier l'ensemble des messages qui contiennent le mot RALIMAT et nous allons les transférer, les déplacer dans un dossier qui s'appellera RALIMAT. Je vais le faire sur le compte pascal.leroux à ses Poitiers. On peut faire des filtres de messages sur différents comptes. Donc je vais au préalable créer un dossier qui va s'appeler RALIMAT. Je crée le dossier. Ensuite, je choisis un message dans lequel on a le mot, par exemple, RALIMAT. Je clique sur Message. Je crée un filtre à partir du message. Je vais appeler mon filtre RALIMAT afin de mieux m'en souvenir. Quand le sujet contient le mot RALIMAT, eh bien je déplace le message dans le dossier RALIMAT. Je clique sur OK. J'exécute le filtre RALIMAT et le logiciel Thunderbird va rechercher tous les messages qui possèdent dans le sujet le mot RALIMAT. On s'aperçoit ici que la condition n'a pas fonctionné parce que RALIMAT ici ne possède pas un tiret. Je vais donc aller dans Outils, Filtre de messages et modifier mon filtre. Je vais rajouter une condition. Donc je vais choisir valide au moins une des conditions suivantes et je vais rajouter quand le sujet contient RALIMAT, cette fois-ci sans tiret. Et je clique sur OK. J'exécute le filtre. Désormais, je ne vois plus de sujet RALIMAT dans mon courrier entrant. Tous les messages se sont retrouvés ici dans le dossier RALIMAT, que ce soit RALIMAT avec un tiret ou sans tiret.